Alors, bienvenue sur la chaîne Plastic Dream pour encore un tutoriel pour débutants. Aujourd'hui, on va discuter de peinture à l'aréographe, de peinture pour aréographe. Voilà, je pars dans l'hypothèse que vous allez vous démarrer juste avec votre aréographe, que vous êtes dans les premiers tests. On va parler de ce que je connais, hein. Donc deux sortes de peinture, enfin, plutôt trois, mais deux qui se ressemblent beaucoup. La Tamiya. La Mister Obicolor, qui sont deux acryliques très répandus, hein, aussi bien dans les ventes en ligne que dans le peu de magasins qui restent en France. La Tamiya et la Mister Obicolor. Alors je sais qu'il y a d'autres peintures, hein, il y a la Live Color qui existe pas mal, il y a Vallejo qui a sorti des acryliques pour passer à l'aérographe, mais je ne les ai jamais utilisés donc. Je ne peux pas tellement vous en parler. Et ensuite, voilà, la MRP. Moi, je maquette depuis pas mal d'années. Et j'ai pendant plus de 20 ans été. J'ai travaillé avec ces deux gammes de peinture, qui sont à peu près, hein, à peu près identiques. On peut même les mélanger entre elles. Ben, j'utilise le même diluant. Donc c'est à peu près voilà, c'est deux marques différentes, mais vous pouvez au traitement vous pouvez les considérer comme une seule marque. Okay. Et puis depuis 6 mois, j'ai testé ça il y a 6 mois et c'est les meilleures peintures que j'ai jamais vues, ni utilisées ni testées, c'est top aussi bien en termes de pulvérisation, en termes de travail. En termes d'exactitude de teinte, de finesse après l'application, la couche est d'une finesse comme l'alclad, hein, très très fin, donc ça exige une bonne préparation des surfaces. Mais ça, c'est le genre de produit, une fois que vous avez testé, c'est fini, hein, vous êtes accro. Hein. Mais la plus simple, c'est celle-ci, c'est la Tamiya Mister Obi. Et après, je vous parlerai de ça. Ça, il faut quand même un peu. Pas de l'expérience, parce qu'elle se passe très facilement. Mais il faut. Par exemple, il faut une cabine d'extraction, parce que c'est de la laque, c'est pas de l'acrylique. Donc ça sent un peu. Moins que l'alclad, mais ça sent quand même. Il faut un masque de protection pour les voies respiratoires. Voilà. Donc ça existe des petits trucs qu'un débutant peut-être n'a pas. Voilà. Alors que ça. Bon, c'est bien aussi d'avoir une cabine d'extraction quand on utilise ces produits, mais. Là, si vous n'en avez pas, en l'occurrence, voilà, vous ouvrez un peu la fenêtre et les odeurs ne sont pas non plus insupportables. Hein. Alors, elles peuvent utiliser le même diluant. Alors, en diluant, le bas de gamme, le basique, c'est l'alcool à 90. Donc, vous allez au Bricorama du coin et vous achetez... voilà, là, je l'ai mis dans une vieille bouteille de Tamiya. Voilà, c'est de l'alcool à 90. Hein. C'est moins de 2 euros pour un litre et quelques, donc là vous en avez un paquet. Donc ça peut servir à diluer la peinture et ça peut servir aussi à nettoyer l'aréographe une fois que la peinture est passée. Okay. Pas d'inconvénient. Le petit, avec l'alcool 90, l'embêtant un peu, c'est que la peinture va sécher très vite. Plus vite que si vous utilisez pardon, le diluant. C'est normal, l'alcool à 90 degrés, il s'évapore très vite, la peinture sèche très vite. Mais ça fonctionne parfaitement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la premier diluant que vous pouvez avoir. Après, vous pouvez investir dans le Tamiya spécial diluant, hein, le Tiner, ils appellent ça en anglais. Hein. C'est le X20A pour acrylic paint, pour peinture acrylique. En même quantité, alors celui-là, bon, comme il est fait, c'est la même marque, il est fait pour cette peinture. La peinture met un peu plus de temps, elle sèche moins vite qu'avec l'alcool 90. Bon, ça reste quand même rapide, hein. Ce genre de peinture, au bout de moins de 15 minutes, vous pouvez déjà la toucher. Ok, bon, faut pas non plus y mettre les doigts gras et puis laisser la main dessus pendant des heures, mais si vous devez bouger votre modèle réduit parce que vous devez le déplacer, voilà, il n'y a pas de souci, ça ne laissera pas de traces de doigts. Par contre, il faut bien le laisser sécher à cœur. Moi, vous savez, je prends toujours mon temps. Et je dis que même après une couche de
une couche finale sur un modèle avec cette peinture ou la Mister Hobby, il faut mieux la laisser 24 heures bien sécher à cœur avant de faire quoi que ce soit. Voilà, il y a ça. Alors après, il y a un autre type de diluant, il y a celui-là. Le Mister Hobby Leveling Tanner 400. Alors la bouteille est assez chère aussi. C'est un peu plus d'une quinzaine d'euros. Mais on en met pas beaucoup à chaque fois. Hein. Donc celle-là, je dois l'avoir depuis un an et demi. Et j'en suis un peu plus de la moitié. Oui. Ok. Et ça aide à. La peinture s'étale beaucoup mieux, je trouve. J'ai fait des tests hein, dans des. La pulvérisation se fait mieux. Alors c'est un produit qui est très chimique, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais tu vois, il y a la composition, mais c'est en japonais. Ça sent très très fort. Hein. Quand vous ouvrez là, oh Seigneur. Et là, oui, si j'en fais tomber une goutte sur le truc, il y a le dessin du tapis qui s'en va là. C'est quand même assez toxique. Hein. J'avais quelques pinceaux Italeri. Ouais, le pinceau bas de gamme, là. Voilà, le bas du pinceau, il n'y a plus de peinture dessus parce que je l'ai trempé là-dedans. Donc c'est quand même assez. Elle se mélange très très bien à ces peintures, c'est fait exprès. Hein. Et les peintures, elles s'étalent beaucoup mieux, les couches de peinture sont beaucoup plus fines, je trouve. Ça, c'est un très très bon produit. Surtout si vous faites des dégradés, des choses comme ça entre plusieurs teintes sur un modèle, ça, c'est vraiment parfait. Ok, voilà. Mais bon, vous pouvez commencer par ça et aller continuer à faire vos premiers modèles avec ça. C'est très efficace, hein. Il y a aucun souci. Ok. Alors ensuite, il va vous falloir, oui, ça c'est la base, des tonnes de rouleaux de sopalin. Ok. Alors ensuite, la peinture, pour bien la préparer, eh bien, il faut bien la mélanger. Hein. Ça semble évident comme ça, mais bon, j'ai vu sur la. Je regarde pas mal de tutoriels sur la toile et j'ai beaucoup regardé de tutoriels sur la toile au long de ces dernières années. Et je vois plein de gars faire comme ça pendant tu vois, quelques secondes. Et puis hop, ils ouvrent, ils mettent dans l'op et ça y est, c'est pas bon. Il faut vraiment que tous les pigments soient mélangés. Alors si vous avez un pot qui est vieux, que vous l'avez depuis longtemps, ben, ça s'est un peu évaporé. Il faut remettre de temps en temps un peu de diluant dedans. Ok. Il faut bien entretenir votre peau. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que la peinture qui va être au-dessus, là, dans le couvercle, elle va sécher. Et elle forme, vous voyez, des petites palettes. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, là, tout ce qui est autour, là, ça sèche et ça devient dur. Quand vous allez visser et dévisser le pot, ces petites paillettes vont se casser. Ça va devenir en particules extrêmement fines. Hein. Okay. Et ça tombe dans la peinture. Okay. Et ensuite, bah voilà, vous la mettez dans un petit godet, vous la mélangez avec votre alcool, vous mettez dans votre aérographe, et quelquefois votre aérographe va crachoter, ça va faire des. Voilà, parce qu'il y a une petite pastille qui tombe, enfin, un petit déchet de cette peinture sèche là qui est tombé dedans. Donc moi, cette peinture-là, en tout cas la Tamaya et la Mister Hobby, je ne la mets jamais comme la Mister Paint. Vous savez, la Mister Paint dans mon godet avec un cure-dent, tac, et je vide directement la bouteille. Avec celle-ci, je ne fais jamais ça. Avec celle-ci, j'utilise des pipettes. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question, oui, comment tu fais pour nettoyer tes pipettes voilà. Les pipettes que j'ai achetées exprès comme pipettes, tu vois, celle-ci... Pardon, je vais re-zoomer. Le zoom, voilà. Celle-ci, tu vois, ou celle-ci, voilà, j'ai ça sur Domino, Oups, modèle. Celle-là, je m'en sers principalement pour le diluant, quoi. Tu vois, ce genre de produit. Voilà. Par contre, la peinture, j'utilise ça. Alors ça, c'est des pipettes de sérum physiologique. Vous savez, le sérum physiologique, c'est ça ressemble à de l'eau, hein. Et c'est ce que les mamans utilisent pour nettoyer le nez des bébés, par exemple. Tu vois, alors, il y a une capsule ici, on le casse,
On appuie, on en met dans le nez, ça nettoie le nez des bébés. Pour les adultes aussi, on peut se nettoyer si on a une poussière dans l'œil, etc. Enfin, voilà. Donc ça, en pharmacie, vous allez acheter, vous demandez du sérum fille, on va vous filer un petit carton, tu vois, qui fait une boîte qui fait, tu vois, 15 cm. Et dedans, il y a 200 pipettes comme ça et ça coûte moins de 5 euros, quoi. Donc vous les prenez toutes, vous videz le sérum fille, vous jetez à la poubelle et vous récupérez voilà, 200 pipettes comme ça. Et ça, du coup, du super faible coût, on les jette à chaque fois, quoi. Tu vois? Donc tu trempes, tu appuies dessus, tu trempes dans la pâture, tu lâches, boum, la pâture monte à l'intérieur. Et là, du coup, comme on utilise moins de. Enfin, il y a moins de chances de prendre des petites paillettes, vous savez, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, pour limiter aussi ces petites paillettes, à chaque fois qu'on va fermer un pot, tu vois, moins on laisse de peinture sur les côtés. Et si vous faites ça dès que vous avez vos pots neufs, eh bien évidemment, vous allez avoir une peinture top tout le temps, quoi. Alors ensuite, pour la mélanger, alors on peut la mélanger. Si vous n'avez rien du tout, vous mettez dans la main et puis tac 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 le plus longtemps que vous pouvez. Okay. Vous tapez un coup, vous vérifiez bien en dessous qu'il n'y a plus de traces de pigments, que ça bouge, quoi. Tu vois? Que c'est plus sec, que c'est plus collé dans le fond. Okay. Donc là, vous en avez. Et après, pour aller moins vite, pas pour gagner du temps, AK, mais d'autres marques aussi, hein, vendent ce genre de choses. C'est des petites billes en acier. Vous voyez? Voilà. Vous en prenez une, vous la mettez dans le. Là, il y en a déjà une. Hein, dans le pot de peinture, vous refermez. Et en mélangeant, vous entendez? Voilà. La bille se déplace dans la peinture et ça la mélange beaucoup mieux, évidemment. Ok. Donc là, il faut quand même y aller. Si vous apercevez qu'elle est vraiment trop épaisse, parce que ça fait des années, vous savez, quelquefois, on garde. Moi, j'ai des pots qui sont encore là depuis presque 10 ans. Hein. Donc elle est devenue un peu épaisse parce qu'elle s'est un peu évaporée. Et ben hop, au compte-gouttes, hein, quelques gouttes de diluant pour la rendre un peu plus liquide. Voilà, là elle commence à mousser, elle est bien. Là, tu vois, dans le fond, elle est bien, bien, bien collée. Elle est impeccable. Donc là, on peut commencer à s'en servir. La diluer pour l'aérographe ou la prendre au pinceau. Hein. Alors pour ceux qui utilisent ce genre parce que de pinceau, hein, c'est assez pratique. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la MRP par exemple. Mais aussi bien la Mister Obi que la Tamaya, vous pouvez l'utiliser en pinceau. Donc ça peut être très pratique. Okay. Par contre, elle sèche un peu vite. D'accord. Donc il existe ce genre de produit. Je vais le trouver. J'en ai préparé avant pour gagner un peu de temps. Désolé, je l'avais dans le coin il n'y a pas une demi-heure, à croire que les objets se déplacent tout seuls. Ah, voilà. Ah, je l'avais trouvé là. Voilà, il existe ce qu'on appelle le paint retarder. Ok. C'est un. Alors, quelques gouttes, c'est un manière qui fait ça, mais ça marche aussi avec Mr. Robin. Alors, c'est liquide comme de la flotte. Hein. Vous en prenez quelques gouttes, vous mettez sur une palette, vous mettez quelques gouttes de peinture. Vous mélangez ensemble et la peinture met beaucoup plus longtemps à sécher. Voilà, donc si vous avez plein de petites retouches à faire et puis que vous ne voulez pas sans arrêt remettre enfin, votre pinceau dans la peinture, ça coûte quelques euros et ça retarde voilà, elle met plus longtemps à sécher. Donc ça c'est pratique quand vous utilisez les Tamaya ou les Mister Obio également en pinceau. Ok. Voilà, donc là je vous disais, la peinture est prête à être utilisée, à être diluée pour l'aérographe. Donc là il vous faut je vous montre un peu la texture. Voilà. Vous voyez? Donc ça c'est un bout de grappe, hein. Suivant la maquette que vous avez, bah, vous coupez quelques bouts de grappe pour mélanger vos petites peintures, il n'y a pas la peine de. Ou un cure-dent hein, si vous voulez. Alors après pour mélanger un peu mieux, là aussi c'est pas indispensable, mais vous allez gagner du temps aussi. Okay. C'est
ce genre d'outil. C'est Trompetter qui fait ça. Possible qu'il y ait d'autres marques aussi, hein. Moi je l'ai acheté chez Trompetter, là, on met deux piles là-dedans, et les piles durent vachement longtemps, hein. On les change pas non plus tous les mois, moi ça fait... Enfin, je crois que je les ai mis quand j'ai acheté l'appareil, il y a déjà quelques années, et je les ai jamais remplacés. Et alors vous voyez, il y a une petite palette au bout là. Et puis voilà, quand vous mettez en route, évidemment. Voilà. Donc vous mettez ça dans le pot, ok. Alors évitez de faire les deux, c'est soit ça, soit une bille. Si vous avez la bille là-dedans, voilà, j'ai une bille. Si je mets ça là-dedans, là, ça va faire bouger la bille. Et la bille, elle part dans tous les sens. Si on reçoit des éclats sur les mains, c'est le bon son. Il y en a partout. Ou alors, vous faites un truc comme ça. Et vous, toc, là, vous mettez. Puis voilà, avec la bille, ça va. Mais si vous faites comme ça à l'air libre, la peinture, ça va monter. Ça va éjecter partout. Et ça, ça mélange très, très bien. Donc ça, moi, j'utilise ça principalement sur des pots que j'ai pas ouverts depuis très longtemps. Donc, ils sont très épais. Voilà. Et là, vous mettez un peu de diluant, vous plongez ça là-dedans, vous protégez avec un sopalin, et puis boum, vous tournez un peu, et là, la peinture, elle redevient comme une crème, quoi. Impeccable. Ça, c'est un outil pratique. Pas essentiel si vous démarrez, mais très pratique. Voilà. Et ensuite, pour faire votre mélange pour l'aérographe, alors, moi, j'ai ce genre de petites... c'est des petits pots. Alors moi je suis dans la restauration, alors j'ai des facilités à trouver des petits objets comme ça. C'est des petits pots, tu vois, de 2 centilitres qu'on utilise pour faire des... quand on fait un dessert, tu vois, on met un peu de crème anglaise là-dedans, le gâteau à côté, enfin, tu vois, ce genre de petites choses. Mais ça se vend, j'en ai vu il n'y a pas longtemps à Leader Price, des lots de 40 comme ça pour 1,50€, un peu plus petit ou un peu plus gros, je ne sais plus, mais enfin, tu vois le principe, voilà. Et là, il faut faire un mélange. Alors, moi je vous donne mon mélange, mais enfin, vous allez lire à peu près la même chose un peu partout. Hein. C'est 50-50 à peu près. Pour une peinture de base, hein, pour un aplat de peinture. Après, si on veut faire un dégradé, ou si pas un dégradé, mais si on veut faire une peinture comme par exemple pour le pré-ombrage, là on va mettre plus de diluant et moins de peinture. Mais pour un aplat de peinture, disons la base normale, c'est 50-50. Donc au début, on a des difficultés. Si vous avez une grande zone, par exemple, beaucoup de peinture à faire, vous pouvez y aller à l'œil, quoi. Vous voyez ? Vous mettez de la peinture jusqu'à ici, puis à peu près la même quantité de diluant. Puis après, vous remélangez, alors, soit avec ça, soit avec la petite machine, okay, et vous versez dans votre aérographe. Mais si vous avez vraiment un tout petit peu, quoi, et ben voilà, la pipette, hein, vous comptez à la goutte. Hein. Au tout début. Après, je vous rassure, ça, quand vous serez bien habitué, moi maintenant, j'utilise plus les pipettes pour mesurer mes peintures. Tu vois, je le vois à la texture, à la façon dont c'est liquide. Tu vois. Mais au tout début, il faut mieux s'habituer. Donc là, tu vois, tu prends, hop, et puis tu comptes les gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Tu vois, là j'ai 10 gouttes de peinture, et ben tu mets 10 gouttes de diluant là-dedans. Tu vois, c'est vraiment dans l'hypothèse où tu avais un tout petit peu de une petite touche de peinture à faire sur un modèle. Hein. Enfin, mine de rien, déjà, avec tu vois, cette petite quantité, tu fais déjà pas mal. Hein. Voilà, et là, tu vois la dextérité, un plat, dextérité, n'importe quoi, mon ami. La texture un peu. Hop, 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 hop. Voilà. On bouge ça. Alors, tu vois un peu le truc. Voilà. Alors partout on dit qu'il faut que ça ressemble un peu à du lait, à la texture du lait, à la viscosité du lait, mais ouais, disons que vous pouvez prendre ça comme base,
Mais déjà là, 50-50, c'est déjà pas mal. Et là, bon, je vais sortir la rebar. On va mettre en route le compresseur. Voilà. Un peu. Voilà, donc là, je suis à 1 bar, si je ne fais pas de bêtises. Voilà, un peu moins d'un bar, 0,8. Voilà, parfait. Voilà, on fait des très très fins. Plus large. Voilà, tu vois, ça ne bave pas sur les côtés du trait, le mélange est ok, ok. Tu vois, ça crache pas, on entend en bruit. Hein. Voilà, donc là, tu as vu, avec 10 gouttes, on peut faire un sacré paquet de choses. Enfin, tu vois, on peut... Faut vraiment pas en faire beaucoup, hein. Voilà. Tu vois, quand tu pulvérises entre deux couches, fais bien sécher ta peinture. Tu vois, alors soit tu attends, soit tu envoies que de l'air sans envoyer de peinture. Tu vois là, je regarde, je mets sur une dolle, j'envoie pas de peinture. Tu sèches. Voilà, la surface est sèche et on met une deuxième couche. Et au fur et à mesure, le jaune devient plus prononcé. Ok, alors tu vois, ça c'est la base. Si c'est la première fois que vous utilisez un aérographe, vous pouvez partir prendre comme base ce que je viens de vous dire. Ok, mais après, il y a un moment, si tu veux, il faut trouver ton mélange idéal, quoi. Tu vois, ça dépend aussi à quelle pression tu vas te sentir à l'aise pour l'aérographe. Tu vois, là je suis à 0,8. Il y a des gars qui utilisent des pressions pratiquement 2 bars. Ils aiment bien quand ça envoie fort, puissamment. Donc tu vois, ils vont un peu moins ou un peu plus diluer leur peinture, tu vois, pour que ça s'adapte à la pression qu'ils se sentent à l'aise. Voilà. Moi, je suis ce qu'on appelle un low pressure, tu vois, je travaille toujours à pression très très basse. C'est ma façon de faire, je travaille plutôt assez proche de la maquette, tout doucement, tu vois, voilà. Alors que d'autres font des longs, voilà. Moi, je suis plutôt très près et très machin pour avoir un peu plus de variation dans mes teintes, tu vois. Bon, c'est un choix, hein, c'est pas chacun, voilà. Et après, il faut trouver son rythme, quoi. Il faut trouver son là où vous sentez plus à l'aise, là où vous sentez, tu vois. Moi, quand je prends une surface, je vais plutôt, tu vois, je fais plutôt comme ça, tu vois. Alors que d'autres gars font pression plus haute, tu vois, et puis ils font hop, hop, ils y vont comme ça, tu vois. Voilà, moi, je suis pas tellement, voilà, moi, je suis plutôt, donc, comme base, ça, à peu près un bar de pression, à peu près 50-50. Et puis après, vous-même, faites des petits tests. Et prenez une grande feuille de papier. De toute façon, il va falloir vous entraîner avant de... Oups. Donc là, tu vois, quand on remet le bouchon... Voilà. Et je vous conseille de les stocker par la lumière. Il faut les stocker... moi, ils sont dans un tiroir. Bien à l'abri de la lumière, et ça dure vachement plus longtemps. Et ils font pas que des petits pots comme ça, Tamaya. Ils font aussi des grands pots pour certaines couleurs, des pots un peu plus grands. Mais en règle générale, c'est des petits pots comme ça. Tu vois, ça c'est du 10 centilitres, je crois. C'est combien ça fait de centilitres, ça? 10 millilitres, ouais. Ok. Alors après, vous pouvez vous entraîner au tout début, parce qu'il faut bien le sentir en main, l'aérographe, pour la peinture. Tu vois?
Il y a un moment, ça devient comme une extension. Tu vois, moi, quand tu débutes là, tu vois, si je vais appuyer, quand tu débutes, tu sais pas où le point jaune il va se mettre. Bon, tu te doutes que ça va être dans ce sens-là, ça va être par ici. Mais t'es pas au millimètre non plus, t'arrives pas à voir le. Tu vois. Alors que quand tu as l'habitude, moi je sais exactement, je pourrais mettre en jaune un petit point là, tu vois. Bon, là, j'ai plus de peinture. Bon. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça devient une extension de votre bras, quoi, comme un pinceau, quoi. Tu vois. Et aussi bien dans le placement que dans la puissance du jet. Plus vous reculez, tu vois, pour faire des dégradés, tu vois. Là, ça se voit. Il n'y a pas moyen de voir beaucoup sur un bout de sopalin, mais. Voilà. Tu vois, pour faire des traits fins ou des traits un peu plus. Ah, voilà, c'est pas votre première utilisation et première maquette que vous allez faire des dégradés, des mouchetis, des machins comme ça. Commencez par des avions avec deux teintes maximum, c'est-à-dire une teinte pour le dessus et une teinte pour le dessous. Tu vois? Et là, vous pouvez faire des petits aplats comme ça, tu vois, avec un petit travail de masquage sur le côté pour démarquer les deux couleurs. Commencez plutôt par ça. Plutôt que de commencer par un appareil allemand ou japonais ou des appareils où il y a, pardon, où il y a beaucoup des petits mouchetis, plusieurs sortes de couleurs, des bandes qui passent à droite, à gauche, des camos compliqués. Non, faites plutôt un appareil, tu vois, voilà. Comme ça, vous serez satisfait de votre première mise en peinture d'un appareil. Et puis, ça vous incitera à progresser et à recommencer. Voilà. Alors, pour nettoyer, hein, c'est hyper facile. Attendez, je crois qu'on m'appelle. Excusez-moi, je vous reprends tout de suite. Voilà, excusez-moi. Téléphone, les copains qui veulent passer manger. Vous savez, quand vous êtes cuistot, c'est ça le problème. C'est que tout le monde veut venir bouffer à la maison, évidemment. Ok, donc voilà. Donc, stockez-les, oui, stockez-les à l'abri de la lumière. Pour le nettoyage de l'aréographe, c'est plutôt facile. Vous en mettez un peu dans le godet. Ou de l'alcool, hein, ou du diluant. Vous pulvérisez un peu. Alors pas comme ça dehors en plein air. Hein. Vous prenez une petite boîte. Alors moi j'ai cette boîte là. C'est des boîtes, pas des petits bocaux spéciaux pour récupérer le. Mais vous pouvez la faire avec un. J'ai vu notre ami Fabio qui a un pot de fromage blanc. Il a fait un trou au-dessus de la taille du bout de l'aéro. Il plonge ça là-dedans et roule. Et c'est parfait. Hein. Ça marche très très bien. Voilà, et là ça nettoie tout, ça nettoie la buse. Voilà, on nettoie un peu l'intérieur. Je vais reprendre un bout de sopalin. Au besoin, un petit coton-tige là-dedans. Voilà, une fois qu'il est nettoyé, je remets une petite goutte. Éventuellement, si je suis en train de peindre une maquette, je peux. L'aréographe est libre pour une deuxième peinture. Il n'y a pas besoin de le démonter entièrement pour repasser une deuxième peinture, une deuxième teinte de peinture. Ok? Voilà, donc celui-là, vous voyez la petite pipette là où j'ai mis le diluant, bah, évidemment celle-ci je la récupère. Et celle-ci qui a du jaune, je la balance. Le prix, on ne garde pas les pipettes. Donc voilà pour la Tamaya. Je jette tout ça. Zo. Alors la MRP, voilà, comme je vous disais, il faut une petite cabine de pulvérisation parce que ça sent pas mal. Il faut un masque pour se protéger le nez, les voies respiratoires, etc. Elle se passe directement, on la secoue. C'est le même système. Hein. Il faut qu'en dessous, vous voyez là, on voit qu'il y a du dépôt. Donc là, on la mélange bien. Il y a aussi une bille en métal dans chaque petit pot. Alors, qui est à l'origine, hein, chez MRP, sur beaucoup de MRP que j'ai reçus, il y avait déjà la petite bille dedans, et puis j'ai reçu quelques pots, il n'y en avait pas. À ce moment-là, vous en mettez une. Hein. Voilà. Et là,
elle est bien mélangée, quand le dessous, tous les pigments sont bien partis. Sont bien, enfin tu vois, toute la même couleur. Quoi. Là on voit bien qu'il y a encore une couleur un peu vert pâle, tu vois. Là c'est un dark green, un vert foncé. Donc on mélange jusqu'à temps que le mélange soit parfait. On verse, on prend un petit cure-dent. On met directement dans le godet, donc sans diluant, sans rien. Tu vois, et pour mettre, voilà, tac. On met le petit cure-dent comme ça. Et on fait couler la pâture le long du cure-dent. Elle va tomber directement dans le godet. On n'en met pas beaucoup non plus. Hein. On secoue, on jette le cure-dent et hop, c'est parti pour la pâture. Et ça, c'est pareil. Basse pression, moi je suis à 0,8, 1 bar. Tu vois, l'aiguille de 0,4 pour beaucoup de mon travail. Des distances assez, tu vois, à ça du modèle, quoi. Tu vois. Et c'est une pâture top. Top. Et c'est pas. Après, il y a une histoire de prix, tu vois. Un pot comme ça, c'est. Je crois que c'est 4 euros à peu près, c'est ça? Si j'ai bonne mémoire. Celle-ci, c'est à peu près 6 euros. Mais t'en utilises vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. Je peux vous montrer mon pot. Il est où? L'intérieur green. Voilà. Donc ça c'est mon pot. Je ne secoue pas trop pour que vous puissiez voir la pas si on voit bien. Et tu vois la peinture, tiens, je mets mon doigt dessus. Voilà, ça arrive ici. Tu vois le niveau. Et j'ai déjà fait deux intérieurs avec ça. Tu vois. J'ai fait le F4 Corsair, vous avez vu là, sur ma chaîne YouTube, et j'ai fait l'intérieur et un autre appareil, je sais plus lequel, oui, je suis bête, bien sûr, le P40, tu vois. Donc tu vois, t'en mets vraiment pas beaucoup, ok. Donc au final, puis comme il n'y a pas de diluant, c'est de la peinture prête. Celle-ci, bon, c'est 10 ml, mais il faut multiplier par deux. T'as 20 ml de peinture en fait, si tu la dilues 50-50. Hein. Ok. Donc voilà, alors tu vois, là c'est déjà, on l'a passé il y a quoi? Bah t'as bien vu, on était ensemble, hein, il y a 5 minutes, voilà, c'est sec. Voilà. Par contre, maintenant, moi, si je devrais masquer, ou si je devrais vernir, j'attends le lendemain, moi. Je ne suis pas pressé à ce point-là. Ok. Ben voilà ce que je pouvais vous dire sur les peintures. Après, ben évidemment, quand on veut travailler au-dessus de ces peintures, c'est-à-dire rajouter du panel line, rajouter du weathering, etc., il faut protéger la peinture, évidemment. Donc là, on pulvérise un peu de vernis. Okay. Si on doit mettre des décals, même chose. On passe une couche de vernis brillant. On laisse bien sécher. Comme ça, la peinture, elle est définitive. Et après, au-dessus, vous pouvez poser vos décals. Une fois les décals bien secs, recouche de vernis brillant. Et là, vous pouvez y aller avec le panel line, avec des washes, avec des pigments, etc. Okay. Et voilà, il faut bien penser à la protéger. Il faut bien la laisser sécher. Hein. Tu vois, même le masquage, hein, moi, j'attends toujours soit le lendemain, soit au moins 3-4 heures. Quoi. Je ne le fais pas tout de suite. Et comme vous voyez, elle est très, extrêmement fine aussi, hein, la Mr. Hobby. Alors la MR Paint, elle est encore plus fine. Mais déjà, la Mr. Hobby et la Tamaya, c'est pour démarrer, c'est top hein, déjà. Okay. Alors voilà ce petit tutoriel qui était vraiment destiné aux débutants. J'ai encore une petite chose à ajouter. Si vous commencez comme ça la peinture, que vous choisissez la gamme MRP ou la gamme Tamaya Mr. Hobby, pensez à faire ce genre de petites choses. Achetez un lot de cuillères au Leader Price du coin. Ça, c'est les dernières que j'ai faites. Vous passez une couche d'après sur chaque cuillère. Okay. Et au fur et à mesure que vous ouvrez des pots, c'est la première fois que vous utilisez cette couleur, vous en peignez le dos d'une cuillère. Okay. Après au crayon ou avec un petit truc comme moi là, tu vois, l'étiquette qui marque le numéro et le nom de la couleur. Tu vois. Ce qui fait qu'après, quand tu dois faire tes choix de couleurs, tu vois, tu as c'est beaucoup plus facile comme ça.
Tu vois, parce que quelquefois, pas quelquefois, toujours d'ailleurs, dans les notices, peu importe la marque de maquette, un black c'est un black, quoi, tu vois. Un blanc c'est un blanc. Tu vois. Alors que quand tu veux faire des jeux de couleurs, par exemple, à la fois on en discutait sur le forum, sur un moteur et le bloc moteur et ce qu'il y a autour, etc., beaucoup de pièces sont noires. Si tu peins tout dans le même noir, eh ben, tu as moins de contraste graphique. Tu vois. Alors que en peignant avec des noirs différents, de teintes différentes, voilà, tu peux faire un jeu tu vois. Comme là, j'ai deux noirs, tu vois. Alors celui-là, c'est le MRP5, c'est-à-dire le Black Black. Et celui-là, c'est le 173, je crois que c'est le Night. Première Guerre mondiale, noire Première Guerre mondiale. Tu vois? Bon, alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, apparemment, on le voit bien sur mon retour là. Tu vois, celui-là, c'est plutôt un gris très 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 foncé, mais il est catégorisé dans le noir. Hein. Et celui-là, un vrai noir. Tu vois? Bon, bah, si tu mets tes deux pièces de moteur l'une à côté de l'autre, tu vois, voilà, tu peux faire des jeux comme ça. Voilà. Et si tu dois, par exemple, mettre cette couleur-là dans le fond, tu vois, dans le fond de ta baignoire, on prend toujours l'exemple du bloc moteur, et ça au-dessus, tu vois, parce qu'elle est plus claire, voilà, ça fait des jeux de profondeur, etc. Donc c'est plus facile de décider quelle couleur tu vas mettre tout ça avec ces cuillères plutôt qu'avec avec le nom ou le numéro des couleurs. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu vois. Après, il y a aussi la possibilité, quand tu vas commencer à faire des jeux de couleurs, tu vois, par exemple sur un rouge, tu vois, si tu fais un rouge, tu as une pièce qui doit être en rouge, et puis tu voudrais ajouter dans le champ des panneaux une peinture, un rouge un peu plus clair pour donner de la profondeur à ton travail, etc. Et ben, t'es peut-être pas obligé de faire un mélange, rajouter, qu'est-ce qu'on rajoute dans le rouge pour qu'il soit moins rouge, tu vois, ça peut paraître un peu compliqué. Alors que si tu as plusieurs rouges, tu vois, car celui-ci, tu vois, un peu plus clair, et ben, tu pourras utiliser celui-là, tu vois. Voilà, ça c'est le Gravity Color, tu vois, le 107, et ça c'est le MRP52, tu vois. Ah voilà, je pourrais utiliser. Ah voilà, vous m'avez compris, c'est plus simple de faire ses choix de couleurs au début quand on reçoit sa maquette, on est en train de lire la notice. Et voilà, même les verts, enfin tu vois, là j'en ai plein, j'en ai plus de 200 là-bas c'est comme ça que moi je choisis mes couleurs. C'est beaucoup plus fastoche. Et après, il suffit si on choisit ce titanium là, et puis finalement ce rouge là parce qu'il va être plus profond, et puis ça, tac, et ben voilà, après je prends le numéro et puis je vais chercher les pots, je les pose dans un coin et j'ai toute ma gamme de peinture pour la maquette en cours que je suis en train de faire. Okay. Et n'oubliez pas de mettre un coup d'après, il faut que sur le dos de la cuillère, ça soit la même condition évidemment que sur votre. Voilà, si vous mettez un après gris ici. Et puis sur votre maquette, vous mettez un après blanc. Le rouge sur la maquette et sur la cuillère, il n'aura pas la même. Tu vois? Voilà. Petite astuce comme ça. Enfin, une astuce, c'est pas la mienne. Hein. Je sais qu'il y a plein, plein, plein de maquettistes qui font ça. Mais c'est vrai que c'est très, très, très pratique hein, quand on arrive au choix de couleur ou si on veut une couleur plus sombre ou plus éclairci pour faire des jeux de lumière, etc. Les choisir comme ça, c'est vachement plus simple que par numéro, par nom. Ok, et eh ben écoutez, si j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, vous le notifiez en dessous de la vidéo, et puis j'essaierai de répondre par texte ou dans une prochaine vidéo, rajouter un complément. Mais là, je crois que pour une partie débutant, et vraiment la première fois que vous utilisez de la peinture pour maquette, je crois que vous avez déjà de quoi faire. Et puis eh ben, on se retrouve très bientôt. Sur le forum, la liste des tutoriels que j'avais mise, eh ben, ça y est, elle est complète avec avec ce tutoriel-là. J'ai plus de tutoriel dans la liste, donc c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut maintenant sur la chaîne. On se retrouve très très bientôt. Passez une très agréable journée. Hein. Bon collage, bonne maquette, pardon. Et on se voit très bientôt. À plus. Ciao.